Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came. Salut à tous, c'est Steven Setcabal, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 sur Watch Dogs. Oh, j'ai pas eu le temps de voir le nom de la mission. Bon, mais bon. Ah, le yinge de mémé, d'accord, ok, merci. La fois dernière, qu'avons-nous fait? Ah oui, on est allé dans le quartier Rosy-Frémont, où il y avait la masse de monde, et on est mort deux ou trois fois. Donc là, je pense qu'on va y retourner. Ce serait trop beau pour... Où tu vas? T'as fini? T'as trouvé ce qu'il te fallait? Pour l'instant, oui. Ok, écoute, je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe? Non, pas trop. C'était si dur que ça? Non. Alors, au travail. D'accord. Ok. On va voir ce qu'on peut trouver. C'est déjà une meilleure gueule de la vache. T'es sûr que l'adresse IP est là? Oui, à un des étages supérieurs. Comment on procède? Eh ben, on se sert des caméras. Où est-ce qu'il est? Allez, quoi? Faut que je lui parle! Faut que je lui parle! Hey, mais putain, t'as pas entendu ce que je t'ai dit? Tu vas là-bas, tu poses ton cul! Va t'asseoir là-bas, je te dis! Bouge-toi! Ok, hey, ok, frère, c'est bon, ça va. D'accord. C'est ta meuf qui t'a pris la tête ce matin? Putain, c'est n'importe quoi, je te jure, elle casse les couilles! Ah, détends-toi, franchement. Tu sais quoi? Qu'elle aille se faire foutre! Oh, et puis toi aussi, tiens! Ah, va chier. Regarde ça. Ils ont câblé tout l'immeuble. Pour un gang de quartier, c'est pas normal. Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est une vraie forteresse. Je vois pas d'accès facile. Hey mec. C'est quoi ton bruit? Franchement, ils cassent trop les couilles des tecs. Des enfoirés de bourgeois qui n'ont jamais foutu les pieds dans la rue. Ah ouais, ils savent coder. Ils veulent leur boulot, c'est du solide. Mais ils ont rien pour se protéger. Si les flics débarquent, ils sont baisés. Donc, chez moi, je vais vous dire qu'il y a du lourd derrière. Déjà, la police ne s'approche pas de moi. Et j'ai pas besoin de me cacher derrière un putain de masque. C'est trop gentil. Betseb, un effet de mode. Moi, je suis le futur. Ah! D'habitude, on dirait. Non, c'est la première fois. Ils ont vraiment mis des caméras partout, quoi. C'est un truc de dingue, on se croirait dans Banlieue 13.
Vas-y. C'est sérieux? Le mec il est en train de te faire sucer quoi. Le mec il est en train de se faire sucer et sur son truc c'est écrit né avec un seul testicule. J'ai l'impression d'être un voyant. Je vais pas fermer sa gueule, je te jure que... C'est vraiment bien foutu parce que le mec il a peur, alors que c'est écrit qu'il a signalé un crime de Viseros. Viseros. Oh mon dieu. Okay. Oh, j'ai mon voyage, je te saccage, je te fais de la facile à modifier. Il va falloir les mettre à jour avec les nouvelles cartes à puce. T'inquiète pas pour ça, ma gueule. Tout est déjà réglé. De toute façon, on est grave en avance sur les lois. Irak, il dit toujours qu'il faut s'adapter au changement. C'est ça le secret. Il y a aussi une carrière. Il y a aussi. J'entends des vieilles phrases du style t'en as encore dans ta bouche, etc. C'est un peu what the fuck. Il y a des gens qui vivent ici? Il y en a même qui meurent ici. Les entrepreneurs de Chicago. Les flics ont un œil partout. Ça leur permet de choper les grosses brèves qui savent pas faire gaffe. Moi, ça me fait moins de concurrence. Mais si tu sais ce que je sais, si t'as les moyens de faire ce que je fais, tu chouraves leur matos et tu t'en sers pour le protéger. Tu vois mon petit château là? Quoi? Le top du top des systèmes de sécurité. Payé hein par le gentil contribuable de Chicago. Tu me surveilles encore alors quoi? Hein? Seul truc à moi. Merde. Tout le reste appartient à la terre foule, mon gars. Qu'est-ce qu'il veut, tu vas se battre contre un mur ou... Il va me changer. Moi j'ai rien, moi. T'as pas ma parole et mes couilles. Ah putain, putain, merde. Là c'est vraiment du... On passe de caméra en caméra quoi, j'ai un peu l'impression d'être Spider-Man quoi. Oui d'accord, attendez c'est un peu... Vraiment des bruits bizarres. Voilà. L'adresse IP provient de cette pièce. Il y a un lecteur de cartes sur la porte. Merde. Ah le mec, tiens, c'est qui paraît bon. La clé est dans sa plaque d'identité.
Écoute, personne t'a rien volé, mec, alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Eh ben, on va le prendre, le temps. Bug, ramène ton gros bout. Putain, je t'ai dit de remettre ça au plus, je croyais que tu... On t'a chié dans le cerveau, quoi. Tu te souviens du yinge de mémé? L'autre bâtard de bulldog. Du con. Voilà. Quand on le sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, en fait, tu comprends rien. Écoute, t'es mauvais pour mon business. Merci. Ton avis, gros. Entre toi et mon business, je vais choisir quoi? Monsieur Quinn est en ligne. Ton business? Quinn. Je vous charge des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord? Ne jouez pas aux nuisibles, monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard d'Irlandais fini à la bière! C'est quoi un nuisible? C'est une sorte de rat. Un rat! Oh merde! Chose. Fuck off. Je vois vraiment pas comment tu pourrais entrer là-dedans. Et je parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Le gros, là, Bedbug, il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois? Et pourquoi il nous aiderait? À mon avis, il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. Ok. Oh là là, j'ai pas vu de pirater. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a qui passe par une fenêtre. Chelou. Ou comme je me dis, louche. Oh. La situation se complique. Si j'arrive à maintenir l'attention de Damien sur ce disque dur, je retrouverai Nicky. Je le connais, il fera forcément une erreur. Faut que je sois patient. Mais là, j'ai besoin de Bedbug. La vache, on s'entend, elle a appelé... On s'entend, elle a appelé des femmes de ménage pour nettoyer... le truc, c'est pas possible, c'est tout propre. Putain.
J'ai regardé les infos aujourd'hui. Il parlait d'une poursuite automobile près de Parker Square. C'est du Hayden Pierce tout craché, ça. Nikki est avec toi ? Bien sûr. On a regardé ça ensemble. Je lui ai expliqué comment reconnaître ton style. Elle avait l'air surprise. On dirait qu'elle te connaît pas aussi bien que moi. Passe-la moi, je veux lui parler. Doucement, doucement. Et l'adresse IP. Ok. Il y a quelque chose à Rossi Fremont. Une sorte de serveur planqué derrière une porte blindée. Il est gardé par une armée de gangsters. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai besoin de toi. T'as trouvé le moyen d'entrer ? Je suis sur le coup. Laisse-moi parler à Nikki. Tu vois, c'était pas si difficile. Hayden. Nikki, on y est presque. C'est bientôt fini. Qu'est-ce qui se passe ? Ce mec parle comme si vous étiez amis. On n'est pas amis. Plus maintenant. Je t'assure. Écoute pas ces conneries. Pourquoi ? T'as peur qu'il me révèle tes secrets ? Je n'ai aucun secret. Sérieusement, Hayden, tu crois vraiment que je vais avaler ça ? Je suis ta sœur. Alors si tu es ma sœur, tu pourrais pas être un peu compréhensive ? Oh, pardon ? Je me fais enlever par ton ami et il faudrait que je sois compréhensive. Oui, bon, c'est sûr que si tu vois les choses comme ça... Oh, je t'ai vexée. J'ai oublié que t'étais sensible comme garçon. Oui, voilà, je suis un gros dur au cœur tendre. La récré est finie, les enfants. J'espère que ton plan va marcher. Et Nikki aussi. Ça va être une boucherie. Donc au niveau des formes, je parle pas. Au niveau des formats, je ne parle pas forcément plus. C'est vrai que c'est un jeu où il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup. Enfin, j'ai pas d'excuses, mais. Un justicier sévit actuellement. Voilà, par exemple, là, je suis coupé par un mec qui parle. Nous recevons le docteur Diana Bertrand, qui est criminologue à l'université. Donc voilà. Docteur, il y a un chat, c'est pas bien. C'est un mec le complexe du héros standard. De plus, les médias le maintiennent dans son délire. Donc, c'est un jeu où on peut pas trop parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phases d'infiltration. Enfin, normalement, c'est pas forcément infiltration, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui adore l'infiltration. Et du coup, en fait, je finis par. Ne pas parler pour être concentré, etc. Et à côté de ça, c'est beaucoup de cinématiques, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que mais je parle pas forcément beaucoup de communauté. Donc j'en suis navré, mais voilà. C'est vrai que il y a chacun son style. C'est vrai que moi je suis à fond dedans. C'est pas la même difficulté. Et la plupart des youtubeurs font le jeu pour la détente, etc. Moi j'avoue que je fais ça pour la détente, mais que c'est aussi pour le faire en mode le plus difficile, parce que faut le reconnaître, un jeu ça se finit actuellement facilement. Donc, il rajoute un peu de difficulté, ça fait pas forcément du mal. Et donc c'est pour ça que je joue beaucoup en difficulté. Et donc c'est vrai que les autres youtubeurs, du fait qu'ils soient en. Le fait, enfin, j'ai du mal à parler du coup parce que les mecs parlent tous en même temps. Le fait que les autres youtubeurs le font en mode détente, eux ils peuvent blaguer, ils peuvent mettre tout du rôle pendant les cinématiques, etc. C'est vrai que c'est pas trop mon délire, moi je suis à fond dans le jeu. Je découvre le jeu en même temps que vous, j'ai pas envie de parler pendant les cinématiques, je vais être à fond dans le jeu et pas dire des conneries toutes les deux secondes, même si c'est vrai que c'est marrant. C'est pas du tout mon style, ça le sera peut-être plus tard ou dans d'autres jeux, ça dépend du jeu aussi. C'est vrai que là, sur des jeux comme ça, un peu sérieux, enfin, c'est pas non plus sérieux, mais c'est sérieux pour moi. J'aime bien, quoi. Voilà. J'aime bien être à fond. C'est comme si tu lis un livre, voilà, à chaque fois qu'il y a un mot drôle, ben, il va peut-être nous mettre un bad aussi. Voilà, c'est pour ça. Pas un boulot pour Tyrone. Mais... Je prends un risque avec Bedbug, mais mon instinct me dit que c'est la cible parfaite. Il a pas grand chose, mais il a beaucoup à perdre. Facile à intimider. Très ambitieux, mais feignant. Ok. D'abord sa maison. Pirater son portable. Enregistrer tout ce qu'il dit. Est-ce que c'est cette bague ? Oh, putain. Ton arme. Là-bas, il y a une cam. Je
Il y a du fil là. C'est le rigole pas. Toi déjà tu restes comme ça, mettons que tu restes comme ça, après tu sais. Ouais. Tu m'as promis que tu m'emmènerais à la brocante. Tu peux me dire ce que t'as de si important à faire? Je travaille, mémé, je travaille. Ah oui, parce que tu travailles maintenant. Tu me dis jamais rien aussi. C'est pas ça, mémé. D'accord, je vois. C'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bedbug. Ça va, mémé. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Bedbug? Eh ben, ça veut dire je suis un player, quoi. Un quoi? Bedbug, c'est une punaise qui va dans le lit des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Ouais, j'arrive. Bon, faut que je filme. J'ai l'air de chercher quelque chose. Ouais, moi aussi je t'aime. Même si t'es un couillon. Suis Bedbug. Sans te rappeler. Voyons tout ce que je peux dégoter sur toi. Avec un peu de chance, tu verras rien venir. Oh le con! Oh le gros con! C'est un fameux gros con! Nanana! Et c'est haut! Dira, tu fais tout ça pourquoi? Tu veux contrôler un village? Tu te fais passer pour un ami. Et là, tu dis aux villageois que dehors, c'est tous des gros bâtards qui veulent les niquer. Ensuite, t'espionnes chaque maison. Tu te renseignes sur ce qui se vend et ce qui s'achète. Tu prends le contrôle. Et si quelqu'un déconne, c'est eux-mêmes qui viendront te le dire. Bon, alors tu vas parler de moi autour de toi? Je sais pas. Je devrais. Je veux prendre des décisions, moi. Franchement, je te fais le taxi partout quand tu veux. Et t'as vu, hein? Je suis toujours à l'heure. Je suis là, moi. Je t'ai jamais lâché, pas une fois. Ouais? Je sais, mais... C'est bien pour ça que j'ai envie de te garder là où t'es. Non, sérieusement. Dis-moi, pour ton histoire de promo, là... Je suis pas censé en parler, tu vois. Mais Irak est en train de renforcer le groupe de Parker Square. Je lui en parlerai. Peut-être qu'il t'enverra là-bas. Putain, Bedbug, parle-moi fort. Ils attendent du monde ou quoi? On dirait qu'Irak a bloqué tout le quartier.
quoi, nous? Des nounous? Non, des soldats, mec. Tu te rappelles quand Fly et son crew, ils ont disparu? Ils s'étaient mis à déconner. Et Irak les a descendus lui-même. Je le sais, parce que je l'ai aidé à les enterrer. Putain, mec, parle pas de ça si fort. Tu sais que ton cousin flippe trop que cette histoire lui retombe dessus. Toi, je dis ce que je veux. Quoi? Toi aussi, t'es parano? Seulement quand je suis avec toi, mec. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire chanter. Si Irak entend ce petit bijou, Bedbug finira mort dans une décharge. C'est quoi ce bordel? Merci gros. Fais gaffe à toi. Comme d'habitude, quoi. Ok. Je me souviendrai de toi. Salut Nico. Bah ça va, je suis en train d'enregistrer une vidéo sur WhatsApp. En ce moment, ils ont bouclé le quartier. Pourquoi pas appeler les flics directement? Non, il n'y a plus ici. Personne vient. Tout le monde s'en tape de ce quartier. Ah, c'est relou. Moi, ce que je dis, c'est que ce quartier, on nous l'a donné. Alors c'est à nous de faire la police. Ha, tout ce que vous direz sera retenu dans ta chatte. T'es un vrai ouf. T'as le droit de garder le silence, sale fils de pute. Ah, pour passer d'accord. Par ici derrière, d'accord. Oh ah, le mec, c'était même pas à Lascar. On l'a fumé juste devant sa run. T'as les cartes? Ouais, Bedbug. Et les copines? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak? T'occupe pas d'Irak, occupe-toi de moi. Ah bon, mais c'est pas ici. Je peux y rester là. Oh, merde. Ils ont bouclé le quartier. Pourquoi pas appeler les flics directement? Passez. Personne vient. Tout le monde s'en tape de ce quartier. Ah, c'est relou. Moi, ce que je dis, c'est que ce quartier, on nous l'a donné. Alors c'est à nous de faire la police. Ah, tout ce que vous direz sera retenu dans ta chatte. T'es un vrai ouf. T'as le droit de garder le silence, sale fils de pute. Tac. Tu dors pour la troisième fois consécutive. Ah mais attends, si faut réfléchir à ce truc.
juste besoin de le suivre avec le caméra en fait. Mais juste devant Saran. T'as les cartes? Ouais, Bedbug. Et les copines? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak? T'occupe pas d'Irak, occupe-toi de moi. J'espère que j'ai pu le faire avoir. Hop. Yo, check! Bigby est dans la place! Bien? Bien ou bien? Puis-je parler à Lil Juice? Oui, monsieur, pas de problème! Puis-je? Quel con! Tu fais ta tournée? Ouais. Je vais y aller en caisse. T'en penses quoi? Tu crois qu'ils ont capté? Non. Et on dirait que le club fait plus confiance à Irak. Cool. Parce qu'ils vont bientôt bosser avec moi. Et quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. Hop. Donc en fait l'autre il veut doubler. Je vais foutre de la merde. Hop. Un petit accès à une cam. Tac. Yo Rabbit, se passe quoi? J'ai des infos qui vont t'intéresser, Bug. Crois-moi. Ok, je t'écoute. Pas au téléphone. Faut qu'on se voit. T'as du cash sur toi? Bah ouais, toujours. Pourquoi? Le truc, c'est que ça va pas être gratuit. Mais ça vaut le coup, je te jure. T'inquiète, on verra ça. Utilise les caméras pour suivre. Nom de code Rabi. Ok, je t'écoute. Bon ben, je veux 500 dollars pour ce que je sais. D'où tu crois qu'elle vaut autant de fric ton info? Parce que si tu lâches pas la thune, il te reste pas longtemps à vivre. Attends, c'est une menace, gros. Je te préviens, me cherche pas. T'as pété un plomb, quoi? Tu crois qu'il va pas entendre parler de ça? Oh, putain. Je dois l'aider ou quoi? Sérieux? Mais c'est Irak, justement, ton problème. Ok, ok. Allez, dis-moi ce que tu sais. Ça a intérêt à valoir le coup. Bon, écoute ça. Ils vont t'appeler pour que t'ailles au break. Et là, ils ont prévu de te descendre. C'est des conneries, ça! Wow, hé! Qu'est-ce que tu fous, mec? C'est des rabis. Ouais, c'est qui? Le mec qui vient de te sauver la vie. Et je peux faire beaucoup plus, mais il faut m'aider. C'est quoi les briques? D'accord. Tu me tires de là et je te le dis. Ok, tiens-toi prêt. Il est ravi. D'accord, mec, sérieux.
dépêche-toi. Ok. C'est abusé. Allez. Compris. J'ai pas envie de crever, mais... Dépêche-toi. Go, go. Laisse la tête. Allez, go. Ok. J'avance. C'est chaud, là. Ok, maintenant. Go, go. Ça va jamais marcher, putain. Allez, avance. Ça roule. Oh, putain. Je vais le buter, ce petit bâtard de... Allez, avance. Ok. Allez, compris. C'est abusé. Je t'écoute. C'est Irak. Il va envoyer Bedbug aux briques pour l'éliminer. C'est une putain de condamnation à mort. Il va demander à ses pires soldats d'y aller et lui faire la peau. Irak a mis un contrat sur Bedbug. Ouais, mec. S'il arrive pas à faire ses preuves, il va crever. Mais bon, tu l'as vu, Bug. Il a aucune chance. J'essayais juste de le prévenir, ce gros bâtard. C'est où l'endroit dont tu parles? Bon, les briques. C'est celui-là. La briqueterie. Ok, maintenant tu fais comme t'as dit. Tu prends ces $500 et tu quittes la ville. Sans parler à personne. T'inquiète pas pour ça. J'ai compris. Hop. Mauvais plan. Si Bedbug se fait tuer, je perds mon billet d'entrée à Rosifremont. On va marcher à pied jusqu'à la sortie. Tu te souviens de ma cousine ? Voilà. Ces mecs n'ont aucune valeur pour Irak. Mais dans un gang, pas de place pour un maillon faible. J'ai vu la même chose arriver à d'autres types. S'ils font pas leur part du boulot, ils se font descendre. Mais si Bedbug tient le coup, et prouve qu'il est de confiance, non seulement Irak pourra sauver la face, mais il en sera fier. Mission accomplie. Donc les amis, on va se passer ici. C'est un bon petit épisode, je pense que je vais passer quelques... Les passages, je me suis fait spotter dans deux secondes. Je vais les passer. Ah bah tu tombes bien. Ouais. Ton copain Maurice était justement en train de gémir. Il dit que t'as tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleurnicheuse. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules? Oui, ça m'embête. T'es tellement prévisible. Ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs, tu peux m'arranger ça? Je peux tout faire. Après, si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas. Oh là 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 là. L'épisode 16 s'annonce explosif. Donc on se retrouve à l'épisode 16 du coup. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et... Ciao. Sur le sujet des négociations de drame. Ravie de te voir moi aussi. C'est quoi ça?